Le but est sur 4 ans de faire en plusieurs voyages un film qu'on espère retransmettre aux Jeux Olympiques. Bonjour, je m'appelle Éléonore Couvreur, j'ai 17 ans, donc je suis actuellement en première générale. Je pratique de la lutte depuis que j'ai 5 ans, j'ai fait championne de France en 2019 et vice-championne de France cette année. Dans plusieurs projets, notamment le projet Sport autour du monde. Donc, le projet Sport autour du monde, il consiste à étudier l'héritage des Jeux Olympiques laissés depuis les premiers JO modernes rénovés par Pierre de Coubertin. Et donc, le but est sur 4 ans de faire en plusieurs voyages un film qu'on espère retransmettre aux Jeux Olympiques, où on aura étudié les points forts et les points faibles de chaque Jeux Olympiques dans chaque ville. J'ai traversé à peu près une vingtaine de villes et une dizaine de pays, je pense. Récemment, j'ai fait le Canada, donc on a fait trois villes là-bas, donc Montréal, Calgary, Vancouver. On est parti aussi dans le nord des USA où on a fait Lake Placid, donc c'est une petite station de ski où il y a eu les Jeux Olympiques d'hiver. Après, on a fait la Grèce, donc dans la Grèce, on a fait trois villes. Et après, l'été dernier, on a fait l'Europe du Nord, donc là, on a fait les Pays-Bas, la Belgique, la Norvège, la Finlande, etc. Donc, j'ai posté ma candidature pour pouvoir être bénévole aux Jeux Olympiques, donc si possible près des tapis de lutte, ça serait l'idéal. Mais sinon, rien que d'y être, ça serait vraiment un rêve. Et après, j'ai également postulé pour être porteuse de flamme.